Alors, bienvenue du coup devant la conférence Xbox qui ne parlera pas d'Activision Blizzard. On précise quand même, c'est un Xbox Partner Showcase, c'est-à-dire que c'est sur tous les partenaires, donc il n'y a pas d'Activision, il n'y a pas d'Xbox Game Studio, ça va être du Alan Wake 2, ça va être du Ark, etc., etc. Et également du Like a Dragon, que l'on va voir dès le début. Et on va vivre ensemble tous les trailers et toutes les annonces, donc let's go, et c'est sous-titré en plus, donc profitez bien avec moi. Too many street punks getting you down? Time for the getaway you deserve? Dondoko Island is the destination for you. Welcome to your vacation within a vacation, where a cozy DIY lifestyle awaits. Gather materials from your surroundings. Genre ils ont fait du Animal Crossing quoi. C'est Animal Crossing le truc. Unique furniture. Genre vraiment. Oh, ça va me plaire. Ça va beaucoup me plaire, ça. Oh là là. And watch as your dream home unfolds, just the way you like it. Oh, ça me plaît beaucoup. Bon, déjà que de base, Like a Dragon, je l'attendais beaucoup, mais ça là, je trouve ça trop cool. In fact, you can customize the whole island to your heart's content. Ah oui, d'accord, on peut construire l'île. Très bien. En plus de l'aventure à côté, hein, on précise. Hein. Parce que ça, c'est vraiment un tout petit truc en plus dans le jeu, tu vois. C'est un délire. Ils auraient pu en faire un jeu à part entière de ça. C'est bon, ils m'ont eu là. But beware of certain uninvited guests. La base. You'll have to beat some sense into them to preserve your island kingdom. La base. Explore nature. Mais c'est trop cool de le faire avec le perso. Build infrastructure. Interact with others. Attends, du coup, j'arrive pas à me dire, est-ce que c'est une partie de Like a Dragon qui, du coup, est implémentée dans le jeu de base, comme ils savent le faire, parce que souvent, il y a des trucs de fou, ou est-ce que c'est genre un truc à côté, genre un stand-alone? J'arrive pas à savoir si c'est un stand-alone ou dans le jeu de base. Non, c'est dedans. C'est dedans. Non, non, c'est bien dedans, Xbox et Windows. C'est vraiment dedans. Non, non, c'est un morceau dans le jeu. C'est en général, déjà, les jeux regorgent Like a Dragon, Ishin. Non, pardon, attends, c'était Like a Dragon, Non, Yakuza Like a Dragon, qui était incroyable. Et il y avait Like a Dragon Ishin aussi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est encore autre chose. Mais, ouais, ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous sortent là? Ah bref, trop hâte.
Ouais. Bon, c'est pas. Ouais, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas. Bah, il en faut, hein. Je n'aime pas tout, même si j'aime beaucoup de choses. Là, c'est pas le cas. Alors. Plateforme pétrolière abandonnée. J'aime bien l'ambiance. Ouais. Bon, déjà, tu sens qu'il y a une couille dans le pâté. Merci, Panda, pour ton resub. Merci beaucoup. Il y a toujours une couille dans le pâté. Ouais, alors je l'aurais pas tenté celle-ci. Bah voilà. Évidemment. Franchement, ça sent le bon jeu frisson. Et vous savez que depuis le premier Outlast et le premier Evil Within, j'ai pas en souvenir d'excellents jeux qui m'ont fait vraiment frissonner. Le premier Evil Within et le premier Outlast, merveille. Mais à part ces deux-là. Bah graphiquement on est sur de l'UE5 hein. On est sur de l'UE5, c'est très joli. Y a rien à dire. Mais du coup c'est peut-être un petit peu trop ce que je vais dire est dur, je sais. Mais c'est un peu trop commun du coup. Genre vraiment UE5 on commence à avoir l'habitude, tout se ressemble quoi. Vraiment l'ambiance a l'air cool mais sinon tout se ressemble. Pas encore pour Arc, je pense que ça sera après. J'espère, j'espère. Mais c'est ça en fait, le problème de l'UE5, c'est que du coup. Le problème, c'est qu'on a maintenant on commence à avoir l'habitude. On a l'habitude de l'effet waouh de. Ouais, c'est ça, de l'UE5. Ça fait quand même un bout de temps que les développeurs travaillent dessus. Enfin, l'UE4 et l'UE5 d'ailleurs, avec les deux. Et finalement, tu te rends compte que bah, ça tous ressemble beaucoup. Les jeux mobiles commencent à se ressembler tous. Les jeux qui sont faits avec, alors pas tous évidemment, puisqu'il y a des développeurs qui arrivent encore à faire des très belles choses avec. Mais il y a beaucoup de choses qui. Ouais. Ah! Tiens, on en a fait une petite vidéo de gameplay sur la chaîne d'ailleurs. C'est Robocop, hein. Every gang in the city start advertising their services. I've gotta go, but the party goes on. We need to find him before things get out of control. Street vultures are the biggest gang in Detroit. Mr. Spike has become my business partner. Such as meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. I hear music. We're getting close. Definitely hear some commotion on the other side. Justice never sleeps. Ah. I'm not playing any more games after him. I have a large supply of bullets. Non, c'était sympa à faire. C'était un bon défouloir, disons. Ce qu'on avait testé. Then, get ready for a meltdown. Get ready for a meltdown. What's that noise? La destruction des environnements est chouette. Non, franchement, c'était sympa à jouer. C'était pas exceptionnellement beau, hein, parce que on l'avait déjà dit, mais en termes de gameplay, c'était sympa.
c'est un bon défouloir. Voilà, c'est pas une révolution, mais c'est un bon défouloir. Alors, ils disent exclusivité Xbox, c'est dispo sur PC aussi. Alors, on précise quoi. Hi, I'm Philipp Seyfried, Technical Director in Dungeons of Hinterberg. Ah. And I'm Regina Reisinger, Art Director in Dungeons of Hinterberg. I know a lot of you have been asking to see more of the social aspects of Hinterberg. And how the people you hang out with can help you as you progress through the game. So we're excited to give you a better look. In this short trailer, we will give you a glimpse at how you might spend a typical day in Dungeons of Hinterberg. Decide which overworld to travel to, spend the day slaying and puzzling in a dungeon, and then head back to the village to befriend someone who may be the key to your success. Alors j'ai hâte de voir à quoi ressemble le donjon surtout. Il y a des combats, oui d'accord. Ça peut être très sympa. À voir. Écoute, je sais pas. Je reste ouvert, mais je sais pas. D'accord, bah super. Et sinon? Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai rechargé la page du coup au cas où. J'ai rechargé la page au cas où, hein, mais... Bizarre. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Aucune idée. Bon. Je sais pas. Je suis pas... Je suis pas persuadé que ça me plaira... Que ça me plaira. Je sais pas. On va le mettre en 1080p. De toute façon, sur YouTube, il n'y a pas plus que ça. Donc... Ouh, c'est joli ça. Ouh, c'est joli ça, vraiment. C'est très joli. Ah mais si, c'est Attends, c'est la suite. C'est la suite de... Comment il s'appelle? Ouais, c'était Spirit of the North, le premier, non? C'est ça, Spirit of the North 2. Incroyable! Ils font un deuxième! Incroyable! Oh, le premier était très très beau en plus. Incroyable! Incroyable! Merci Praxis pour ton resub. Merci beaucoup. Ah, Spirit of the North, c'était vraiment magnifique. C'est un très très bon jeu indé pour le coup. Ah ouais, ouais. Ah! Oui. Il faut que j'achète d'ailleurs là le... Comment ça s'appelle, hein? Ça c'est pour le remake. Mais il faut que j'achète la compilation qui vient de sortir.
Putain, il est beau le remake, hein. Ah, il est beau. Par contre, il a changé de tête. Merci Kyria pour ton resub aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite musique derrière qui fait un peu... C'est bizarre. C'est très bizarre. Parce que le truc est joli, mais j'arrive pas à reconnaître le perso et... C'est... C'est bizarre. Will you prove yourself worthy of this honor? Or will you perish by the traitor's steel? Ça peut me plaire en plus. Hein. Ça peut me plaire. A voir. 26 avril 2024. Ok. Game preview. Ça peut me plaire. Merci Paolito pour ton resub. Merci beaucoup. Bah, ça peut me plaire. Hein. Je sais pas. Je demande un peu à en voir plus quand même. Après, c'est qu'on avait pas mal, mais bon. On est à quasiment 20 minutes de conférence. Mon avis, ils vont nous mettre 10 minutes de Alan Wake 2 après, tu verras. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est encore un jeu multijoueur supplémentaire avec des équipes de 3 qui est vu et revu. Après, Embark Studio, je les aime bien, mais... En fait, il y a tellement de jeux qui se ressemblent et tout, dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes, hein, mais c'est bien de s'y essayer, mais mettez du budget dans autre chose. Hein. Ouais. Pour moi, il y en a déjà trop. Mais il y avait eu une bêta d'ailleurs de ça, j'avais été invité, j'avais pas pu participer. J'avais pas pu participer, les environnements sont entièrement destructibles. Mais dans l'idée, c'est pas dégueu en plus, hein, tu vois. C'est pas dégueu, franchement. C'est juste que le problème, encore une fois, c'est que c'est difficile de se faire sa place sur ce genre de jeu. Parce que c'est des jeux où les développeurs rêvent d'e-sport. C'est des jeux qui, dès leur création... sont dans l'idée de on va faire un jeu qui sera taillé pour l'e-sport.
Maintenant, pour y aller, c'est difficile d'aller sur la scène e-sport avec tous les jeux qui sont déjà présents et donner envie aux joueurs d'aller se mettre dans d'autres jeux. Tu vois, genre entre CS, Overwatch, Valorant, etc. Avec également tout ce qui est du côté de, tout ce qui est de, du côté de LoL, etc. Faut donner envie aux gens d'aller sur ce genre de choses. Ah, tiens, le remake de Ark. Oh là là, ça va là, voilà, ça là. Voilà, alors. Allez, vas-y, fais-nous rêver un petit peu. Oh, ça a l'air mieux optimisé que ce qu'on avait avant, en tout cas. Ça a l'air mieux optimisé. Pas pour me déplaire. Parce que c'était une galère, hein. Je peux te dire. Ah, c'est cette image qui avait leaké avec le dino. Là, ça me tente de ouf. Bon, un peu rigide encore. Ah, franchement. Oh. Oh. Ah, il y a du taf, hein. Il y a vraiment du taf, hein. Ah ouais. Oh, ça me fait mal au cœur pour le joueur. J'ai mal au cœur pour le joueur et sa maison. Franchement, je dis oui. Oh là. Écoute, moi, c'est un grand oui. Ah oui, du coup, le nouveau logo. Nouveau logo, du coup. Ah, c'est un grand oui, effectivement. Merci, Neiko, pour ton resub. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Eh ben, écoute, c'est un grand oui. C'est un grand oui, c'est très joli. Il y a eu du taf qui a été fait dessus, tu vois. Ah, voilà. Next to the body. Allez. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. Ah oui, non, c'est le. Bah, si, ça. C'est si, bah, si, Remedy, c'est bien celui-là. Ah, j'ai eu peur. Text, written with a typewriter. Someone's been watching us. Alors, par contre, il y a eu un downgrade par rapport à ce qui nous avait été montré sur le truc, non? Parce qu'on a vu quelques images là. Ah non, là ça va. Oh, j'ai tellement hâte. Mais il y a eu un downgrade. Hein. Il y a eu un downgrade par contre. Hein. Parce que clairement, clairement sur certaines images, c'est très joli, hein, mais il y en a certaines où c'était plus difficile. Hein. Mais j'ai tellement hâte de le faire. Hein. Oh. J'ai tellement hâte. Ah ouais. Ah puis ça va être toujours, ça va être torturé comme il faut et tout. Et ça commence vendredi là. Oh, oh. Ouais. Boum. Ouais. Alors je le savourerai, hein, y a aucun problème, mais c'est vrai qu'il y a eu un downgrade par rapport au premier trailer. Hein. Et bah écoutez, on commence ça vendredi en stream. Hein. Ah, du coup on va avoir du gameplay. Ok, gameplay de Alan Wake 2. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Yeah.
Oh, et ça va être incroyable. Est-ce que c'était intelligent de nous montrer cette séquence? Parce qu'en vrai, je trouve ça inintéressant au possible. Bon, on le fera en stream parce que c'est Alan Wake et que j'ai envie de le faire. Autant là, la séquence m'a pas emballé plus que ça, quoi. Ouais. La séquence m'a pas emballé. Après, on va juge pas un jeu sur une séquence de 3 secondes. Mais... Ouais. Bon. Et bah, jolie conférence, avec des chouettes choses. Je suis content d'avoir vu Ark aussi, qui donne bien envie, mais Alan Wake 2, bon. J'avoue que ça m'a peut-être un petit peu refroidi. Enfin, refroidi dans le sens où je m'attendais à quelque chose d'autre. Peut-être que j'aurais aimé une autre séquence de gameplay. Après, bon, c'était leur choix aussi.